Chers vacanciers, le capitaine du Bingo Fortunae est fier de vous annoncer que la navigation se passe de la meilleure façon possible. Le ciel est clair, la mer est calme, le thermomètre affiche une température extérieure de 28 degrés Celsius et la pression atmosphérique nous prédit un temps radieux jusqu'à la fin de la semaine. Dans ces conditions optimales, notre vaisseau maintient une vitesse de croisière de 34 nœuds. Conformément à ces données, nos ordinateurs de bord indiquent 57% de chances de gagner à la tombola et 36% à la roulette. Oh, j'apprends à l'instant que le capitaine vous invite tous à un concert à thème sur le Grand Pont. Mesdames, messieurs, à vos cartons. Voici les 5 numéros tirés aujourd'hui au Super Bingo. 33, 4, 82, 48 et 31. Merci de vous annoncer au guichet dans les plus brefs délais en cas de gain. Prochain tirage à 17h et c'était tout pour cette fois. Pour d'autres indications, restez avec nous sur le canal 3. Bingo Fortunae, la croisière qui fait grossir votre portefeuille, vous souhaite une fructueuse journée! Ce métier est une arnaque. C'est mon grand-père qui me l'a trouvé. Lui, il s'amuse bien à la tombola. Mais à 84 ans, les organisateurs ont exigé qu'il soit accompagné. Il craignait que son cœur ne lâche s'il venait à gagner une fois après 25 ans de croisière. Bref, comme il ne voulait pas payer la croisière pour deux personnes, il a réussi à obtenir une remise sur mon billet en échange de mon activité de speaker. Bingo Fortunae, en route pour la Lune! J'en peux plus! Cette chose m'appelle n'importe quand et n'importe où, et je suis obligé de courir partout! Bingo! Mesdames, messieurs! Bingo, yo-ho! 5 numéros tirés pour un heureux gagnant. C'est la fortune qui lui sourit à pleines dents. N'oubliez pas, concert à thème sur le Grand Pont. Venez écouter le célèbre Belzé Big Band pour une prestation inoubliable. Prochain tirage au sort dans 3 heures et 36 minutes. Pourquoi ne pas en profiter pour faire un saut chez votre astrologue préféré? Bingo Fortunae, en route pour la Lune.
devrais enfin avoir un peu de temps pour moi. Heureusement, avant mon départ, j'ai trouvé à la cave ce vieux journal de bord. Il a dû appartenir à mon arrière-arrière-grand-père. Un vieux loup de mer. C'est une histoire fascinante. À faire rêver les yeux ouverts. Quelques lignes et chut, on est happé en haute mer, à des kilomètres de cette bande de joueurs compulsifs. Ding ding ding! Fini le bruit des machines à sous! Fini le cri des chihuahuas. Rien que le bruit des vagues et les mouettes. Naviguant depuis des semaines, suivant les indications du plan. Notre navire voguait, léger, poussé par une brise subtile. Je relisais le plan pour la millième fois. Je ne pouvais croire que bientôt, je mettrais la main sur le plus fabuleux des jackpots, le légendaire trésor du capitaine Bombard. Jusqu'ici, l'expédition s'était déroulée sans encombre. Seules les vomissures d'un matelot venaient ponctuer ça et là le roulement inlassable du navire. Oh, nous étions bien loin des dangers affrontés quelques années plus tôt. Je me souviens d'une fois, où une bande de pirates nous a attaqués au large des îles James. Au dernier moment, nous entreprîmes une manœuvre de virement de bord extrêmement dangereuse. Puis, voyant les pirates gagner du terrain, nous accostâmes entre les rochers, au risque de nous envoyer tous au fond de la mer. Par les cornes du Moloch, qu'ai-je fait ? Tous à mon poste! Tenez-vous prêts! Pirate à tribord!
les brigands. Comme d'habitude, notre proie n'a pas pu nous échapper. Je parie que la cale de ce navire déborde de trésors. Fouillez partout. Ce soir, nous préparons un grand festin. Et gare à celui qui osera mettre la main à sa poche sans demander ma permission. Chacun se souvient de la triste issue de Poire Molle. Allez, cherchez les enfants, cherchez! Retournez tout comme... Comme une vieille chaussette! Écoutez-moi bien, bande de dégénérés! Avec l'or de ce vaisseau, nous avons de quoi manger pendant des semaines! Yo! Mais avec cette carte, les enfants, bingo, yo-ho, nous ramènerons assez d'or pour manger et pour boire jusqu'à la fin de nos jours! Yo-ho! À en croire ce qui est écrit, trois navires ne suffiraient pas à emporter tout ce que Bombard a accumulé sur son île. Et vous, qu'est-ce que vous préférez? Voulez-vous devenir des pirates comme nous? Ou préférez-vous aller dire bonjour aux requins? Bien! Nous verrons si vous êtes capables de tenir le rythme d'une bande de pirates. Allez, place à l'entraînement! L'expédition sera longue et périlleuse jusqu'à l'île du capitaine Bombard. Bien! Pour commencer, faites-moi un peu briller le pont de ce navire. Je veux pouvoir contempler mon beau reflet. À mon commandement! En avant! Arche! Bande de mauviettes, je vois les taches d'ici. Et arche! C'est minable! J'espère pour vous que vous aurez un peu plus de force dans les bras. Allez, faites-les mordre la poussière. Et arche! Ne les laissez pas vous emporter! Les perdants sont pour les requins! Et maintenant, réveillez le Kraken! Et arche! Sentir, il arrive.
Venez à moi pour cette dernière épreuve fatale. La toilette du capitaine. Moussaillon, je suis fier de vous. À présent, vous êtes de vrais pirates. Au nom de l'équipage, laissez-moi vous remettre une équitable part du butin. Voici pour vous. Et pour vous. Et pour vous. Et pour moi. Et je veux que ce pont brille lorsque nous lèverons l'ancre. L'île aux 100 cavernes. Personne n'en est jamais revenu vivant, sauf Bombard et ses hommes. On raconte qu'à la fin de sa vie, Bombard avait accumulé tant de richesses qu'il resta sans dormir 40 jours et 40 nuits de peur qu'on ne le vole. Il résolut donc d'aller cacher son butin, là où nul homme n'avait osé jeter l'ancre, sur l'île aux 100 cavernes. Cette île luxuriante abrite une bête assoiffée de sang, j'ai nommé le géant Gigoris. Un géant hideux. 4 mètres de muscles, la peau dure et luisante comme celle d'un porc. Pas d'œil, non, mais 2 immenses oreilles, capables d'entendre une mouche battre des ailes à des kilomètres à la ronde. Toujours contrarié, ce monstre passe son temps à pourchasser tout ce qui fait du bruit sur son île. On raconte même qu'il aurait arraché les feuilles de tous les palmiers pour éviter que le vent ne les fasse chanter. Une chose, pourtant, a le pouvoir de calmer le géant. Bombard a composé une mélodie qui, jouée par 4 instruments précis, rendrait aussitôt le sourire à ce monstre. Cette mélodie, la voici copiée de la main du capitaine au bas de la carte. Hélas, la carte est bien vieille et je crains fort que le monstre ne se fâche si nous ne retrouvons pas le nom des bons instruments. Heureusement, les musiciens sont nombreux dans l'équipage. Si le monstre en écrabouille un ou deux, il en restera toujours assez pour retrouver la bonne combinaison. Quant à moi, je vais tâcher de décrypter cette maudite carte avant que nous n'arrivions sur l'île. Moussaillon, à vos postes! Cap sur l'île aux 100 cavernes! Hissez les voiles! Thank you.
Ah, voici enfin la fameuse île aux 100 cavernes. Courage, les bandits! Je suis sûr que vous saurez charmer les oreilles de ce monstre. Mais n'oubliez pas, marchez bien sur la pointe des pieds, ou il nous réduira tous en bouillie avant que nous n'ayons pu jouer une seule note. Qui ose marteler sous pied le sang de mon île? Vous êtes bouillant, étranger. Vous respirez comme une troupe de phoques bronchitiques. Partez avant que je ne vous réduise tous en charpie. Nous sommes d'humbles pirates, vénérable Gigoris. Nous sommes venus te jouer la musique du capitaine Bomba. Personne ne connaît cette douce mélodie. Personne ne sait bombarder ces hommes et ils sont morts depuis bien longtemps. Tempère ta colère, ô géant. Ta musique bombarde la copier au bas de cette carte et nous allons te la jouer. À condition de retrouver les bons instruments. Tu vis dangereusement, petit homme. Je vous écoute. Mais sache que si vous ne jouez pas exactement comme Bombarde cette mélodie qui apaisait mon âme, je vous dévorerai. Tous ! Voyons un peu ce que dit cette carte. Ah. Sous la première mélodie, il y a le dessin d'un instrument. Il est allongé, de petite taille. Son corps doit être en bois, il est tout noir. Reste donc la clarinette et le hautbois. Comment diable les distinguer? J'appelle mes oreilles impatientes. La clarinette, ce sera. Continuez, humain! Pourquoi vous arrêtez-vous? Ce sont les musiciens, Gigoris. Ils ont besoin... De temps pour chauffer les instruments. La suite arrive. Voilà. Le deuxième n'a rien à voir avec le premier. Il est tout enroulé sur lui-même. Et vu la couleur du dessin, il doit être en métal. Ah, ce doit être le cornet, tout simplement. Ça pourrait être le cor aussi. Aïe, qui sait? Pas de doute, c'est le cornet! Si nous revenons vivants, c'est un miracle! Oh, c'est super! J'en ai des frissons! Continuez, je vous prie! Ah, le troisième est un jeu d'enfant! C'est presque le même, mais tout en rond! C'est le corps! Vous êtes presque là! Ne vous arrêtez pas! Le dernier semble plus gros, mais c'est un cuivre aussi, ça j'en suis sûr. Ce doit être l'euphonium. Ou le tuba. Bon, au point où on en est, va pour l'euphonium. Ça sonne bien, euphonium. Bon, allez-y, jouez tous ensemble maintenant! Jacassement des cacatoès. Vous pouvez passer, étranger, faites comme chez vous. Prenez tout ce que vous voudrez, prenez tout et disparaissez. Que je savoure tranquillement cet ineffable bonheur.
caverne te bombarde. Le trésor de toute une vie de pillage. Oh. Oh. Il y a des caisses, tellement de caisses. Et elles sont lourdes. Oh, je parie que celle-ci est pleine de pierres précieuses. Oh. Oh. Un cadenas? Il faut donc une combinaison. Qu'on m'apporte mon stéthoscope! À nous deux, ma jolie. Bien. Nous y sommes presque. Plus qu'un numéro. Ah! Ah! C'est pas vrai! Toujours la même chose! Au meilleur moment, le rêve disparaît! Allons lire la communication du capitaine! Chers vacanciers, le notaire de bord communique la combinaison gagnante du coffre-fort à un passager très chanceux du Bingo Fortunae. 42, 81, 53 et 4. Nous remercions l'heureux gagnant de passer récupérer son lot au guichet dans les plus brefs délais. Le capitaine annonce que les conditions de voyage sont toujours favorables. Le ciel est clair, la mer est calme et la pression atmosphérique nous prédit du beau temps jusqu'à la fin de l'année. Du côté des étoiles, Jupiter vient d'entrer dans la constellation du Sagittaire. Toutes les conditions sont donc réunies pour miser tapis et rentrer chez vous couvert d'or. Sur le grand pont, le concert à thème est, pour la joie de tous, sur le point de se conclure. Bingo Fortunae, la croisière qui vous met sur la paille, vous souhaite une excellente journée. Moi, mon trésor, je l'ai déjà trouvé. Dès que j'ai une minute, je me retire et je repars à l'aventure en tant que capitaine de pirates. En avant, bande de vauriens! Sonnez les trompettes! À l'abordage! Thank you.
Thank you.